Bonjour à tous, merci de rester fidèles à votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchango. Nous sommes très heureuses en tout cas de vous retrouver encore dans l'émission Nabisso Entretien. Entretien, il y a Lelo Toyambi, ancien candidat président de la République. Toyamba est noté, Lelo Zamba Liboso Toyamba est à on a Kinshasa, mais Fabien Kouswani Kayambakaye. Mingi kuna na mikili ya poto Toyambi Noel Tiani mwa dianvita yende invité na biso na ye tokoso la penza actualité oblige d'essai ya activiste ya mouvement citoyen syndicat de colo initiateur ya congolais debout autikoti kabiso na ba circonstance oboyebi balobi noyade na kati ya mai tokoluka un peu toyeba invité na biso lelo soki a gardé nini de la part de ce grand activiste du mouvement citoyen et puis boyebi que chef de l'État dernièrement a prena ki acte ya prestation serment, il y a trois juges au Anomara depuis le 17 juillet dernier, na Assemblée nationale, et suscita qui, moi, ma kele le penza, na ba partenaire na yo bazali en coalition, juste après prestation serment, chef de l'État, a salaki discours moko ya makasi, mais en peu de minutes, à peu près 7 minutes, a annoncé début il y a consultation autour de Kozela semaine Oyo donc on analyser l'invité Nabisso discours à chef de l'État par consultation on a est-ce qu'ils opportun si Koyo union sacrée l'histoire se répète est-ce que Kozela différente na Oyo et Salama dans les passés on en parle avec notre invité les consultations au FCC, on est prêt à la cohabitation. On n'est pas sûr que le président de la République aura la majorité qu'il cherche. Est-ce que Félix Tshisekedi aura cette majorité? On va en parler avec notre émission. Notre invité, quel avenir pour cette coalition FCC-CACH? Est-ce qu'il faut rompre aujourd'hui cette coalition? Il faut le dire, les pays ne marchent pas depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est au pouvoir. 2 ans durant, en tout cas, rien ne marche, pas de courant, pas d'eau, le social de Congolais, en tout cas, ça ne change pas, vous savez qu'on continue, qu'on l'est la caca. Est-ce que option, il y a consultation, et même abisso, na rupture, il y a coalition, ne tokosolango, FCC, ça veut dire a déjà débauchage, nakati, il y a ronaye, invité nabisso, Noel Tiani, moi d'invita, à Tokolobela mingi mingi nde boyebi mission chez Zara Frangala donc Tokosangisa français na lingala poto lingara on aura mbo na biso ezara toujours na ba émission na biso to promouvoir toujours ba langue nationale na biso bien sûr les français Tokoloba yango pe po ezape importante alors Noel Tiani mo diambita mbote bienvenue na émission na biso. Mbote mama, na sepe lingi lingi oyambi ngai awa na Télé Tchango. Alors, ça fait un bout de temps, vous êtes ici à Kinshasa, l'actualité oblige, syndicat de Colo, l'initiateur des Congolais debout, nous a quittés depuis hier. Vous l'avez connu, qu'est-ce que vous gardez de lui? Franchement, j'étais surpris, choqué, stupéfié, attristé par cette nouvelle-là, de la disparition tragique, inopinée, de syndicat de Colo, un compatriote qui non seulement avait de bonnes idées sur le plan des affaires, mais également quelqu'un qui avait de l'amour pour son pays, la République démocratique du Congo, pour le peuple congolais. Parce que malgré ces conditions de bourgeoisie dans lesquelles lui il a grandi, il avait son cœur pour le petit peuple congolais. Il s'est érigé contre la dictature de Joseph Kabila pendant plusieurs années à la tête de notre pays. Il a créé les Congolais debout pour participer à la vie politique de ce pays, mobiliser le peuple congolais à se prendre en charge et à mettre fin à la dictature
et parvenir à l'installation d'un système démocratique fonctionnel. Donc sa disparition est ressentie non pas simplement par sa famille biologique, mais par la République démocratique du Congo en tant que pays. Et nous sommes, en tant que peuple congolais, nous sommes très tristes. Nous garderons un très bon souvenir de lui, étant donné que tous les jours, quand il intervenait dans ce qui s'est passé en RDC, on sentait cet amour, son sens des justices qu'il voulait pour le peuple congolais, ce sens de nécessité des changements qu'il voulait voir dans la gouvernance du pays pour que le peuple congolais retrouve son compte dans l'exploitation des ressources naturelles du pays. Donc je voudrais présenter toutes mes condoléances à sa famille, à biologique, mais également je voudrais présenter les condoléances au peuple congolais, aux Congolais debout, parce que nous avons perdu un grand patriote. J'espère juste que sa mort est le fruit d'un accident tel qu'on l'a présenté, parce que quand on a quelqu'un de très visible comme lui, beaucoup de choses peuvent s'être passées. Je ne souhaiterais pas qu'il ait été assassiné et qu'on ait essayé de découvrir cela en disant qu'il y a eu un accident. Mais encore une fois de plus, sa femme, Isabelle, sa famille sont beaucoup mieux placés pour nous éclairer donc là-dessus s'il s'agissait donc d'un accident ou s'il y avait donc autre chose. Et s'il y avait juste un petit soupçon, je pense que ce serait utile qu'il y ait une autopsie et qu'il y ait une enquête pour qu'on sache exactement les conditions dans lesquelles il est décédé. Télé Tchang également présente ses sincères condoléances à sa famille politique et biologique. Les Congolais debout, syndicat de Kolo, a été un partenaire aussi pour Télé Tchang et même là où il se trouve, Fabien Kouswanika, qui a été testé positif au Covid-19, à la Covid-19, a rendu hommage à ses grands patriote, en tout cas, congolais, qui, comme M. Tiani l'a dit, il n'a pas vraiment regardé sa bourgeoisie, il s'est tourné vers la population qui vit dans la pauvreté. Alors, chef de l'État, à prendre acte, il y a prestation serment et juge à nous marquer depuis le 17 juillet jusqu'à octobre, ça la cérémonie mon côté, à mon avis, léthargie au niveau du Parlement. Le chef de l'État a tapé les poings sur la table et la présidence a organisé cette cérémonie sans les bureaux de l'Assemblée nationale, même pas du Sénat, sans aussi la présence du Premier ministre. Juste après cette cérémonie, le président fait un discours de plus ou moins 7 minutes qui annonce les consultations pour cette semaine. Comment avez-vous apprécié ce discours du chef de l'État? Je voudrais d'abord commencer par exprimer toute ma sympathie à l'égard de Fabien Kouswanika. Comme vous avez dit, il est atteint de la COVID-19. Je voudrais vraiment lui souhaiter rapide rétablissement. Fabien Kouswanika, c'est un ami personnel. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, j'étais à Washington, je venais souvent en Europe. On ne pouvait pas rater une occasion pour que non seulement il puisse m'interviewer, il a contribué à me faire connaître au public congolais dans la diaspora à travers Télé Tchang, mais il m'a accompagné dans toutes les activités que je faisais, que ce soit dans des réunions à l'Union européenne, dans des conférences que j'animais à Paris ou à Bruxelles, à l'attention de la diaspora. Donc il a été un compagnon de lutte. C'était un compagnon de lutte. Donc je voudrais vraiment sincèrement, du fond de mon cœur, lui souhaiter rapide rétablissement, qu'il se remette de cette pandémie de la COVID-19 et qu'il puisse retrouver sa santé parce que nous avons besoin de lui. Maintenant, en ce qui concerne le discours du chef de l'État, je pense que c'est un discours très responsable. Le chef de l'État a pris la mesure de la gravité de la situation dans laquelle le peuple congolais vit. Il a fait un diagnostic qui était très court, très précis.
il a fait ce diagnostic couvrant tous les secteurs. Il a dit dans le domaine sécuritaire, on n'a pas la sécurité. Dans le domaine des services publics de base, l'eau, l'électricité, les services de télécommunication, les Congolais, la majorité n'ont pas accès à ces services-là. Les infrastructures de base manquent, l'éducation trébuche, la santé n'existe pas vraiment. Et tout cela a été aggravé, bien sûr, par la pandémie. Et il a dit, ça ne marche pas. Nous sommes dans une coalition entre le FCC et le CACH, il a dit, mais cette coalition n'a pas permis de répondre aux défis auxquels la population congolaise est confrontée. Par conséquent, cette coalition qui était basée sur ce qu'il a appelé l'accord FCC-CACH et l'arrangement entre eux, il a dit qu'il ne peut pas laisser un accord de ce genre primer sur la Constitution ou sur les prérogatives constitutionnelles qui exigent que le président de la République soit le garant du bon fonctionnement des institutions et du pays et qu'il réponde de façon satisfaisante aux besoins donc, de la population. Par conséquent, il a mis fin à cet accord-là. Donc vous pensez que son discours-là consacre déjà la rupture ? Il a été très diplomate, mais il a consacré, le discours consacre la rupture de l'accord FCC-CACH. Il a dit qu'il ne peut pas laisser l'arrangement particulier primer sur ses prérogatives constitutionnelles et surtout si on n'arrive pas à répondre aux besoins de la population et du pays. Donc, il a mis fin à cet accord et c'est pour cela que, déjà au terme de l'accord, le pays était géré par le FCC et le CACH. Il a dit, au lieu de continuer à gérer le pays dans l'exclusion, en excluant tout le monde, mais en gardant le tout dans les mains du FCC-CACH qui s'est avéré être, qui sont avérés être incapables de répondre aux besoins du pays, il a dit nous allons faire des consultations et nous allons créer ce qu'on appelle l'union sacrée, c'est-à-dire rassembler tous les Congolais, quelle que soit leur appartenance politique, rassembler tous les Congolais qui viennent des confessions religieuses, de la société civile, qui viennent de toutes les provinces de la RDC, qui viennent de toutes les tribus de la RDC. Et nous allons faire ce qu'on appelle l'union sacrée, c'est-à-dire une équipe nationale. Une équipe nationale qui va définir une nouvelle action gouvernementale et qui va maintenant s'atteler à répondre aux défis du pays et de la population. Donc moi je pense que c'est un discours très responsable. J'ai vu en cela la volonté du chef de l'État de remettre le pays sur la bonne voie parce qu'actuellement nous ne sommes pas sur cette bonne voie-là. Alors, vous parlez de la consécration déjà de la rupture de cet accord FCC-CACH. Les chefs de l'État ont rompu également l'accord, ses engagements avec la MUCA à Genève. On parle aussi de ses engagements à Nairobi qui n'est pas trop bien appliqué. Ne pensez-vous pas que cette démarche ou cette façon de faire ne jouera pas sur, en fait, sur la crédibilité du président de la République? On risque de croire que les présidents ne respectent pas ses engagements. Bon, il y a plusieurs façons de regarder cela. Il y a une façon de regarder cela, d'interpréter cela, c'est que quand l'intérêt du peuple congolais est en jeu, le président se mettra toujours du côté de l'intérêt du peuple congolais. Maintenant, essayons d'analyser certains de ces accords-là. Dans le cas précis de la coalition FCC-CACH, il est venu, il a respecté les engagements. Il a formé un gouvernement basé sur l'exécutif. Il y a un certain nombre de ministres qui viennent du FCC, d'autres qui viennent du CACH. Ils ont travaillé pendant littéralement 2 ans et on réalise que cet exécutif ne nous amène nulle part. Ça ne résout pas les problèmes. Et un homme responsable ne doit pas rester lié, des mains liées toute sa vie parce qu'il y a un accord qui donne des avantages particuliers aux gens du FCC ou bien aux gens du CACH. S'il faisait ça, il aura trahi son serment constitutionnel de faire tout pour remettre le peuple congolais dans ses droits. Donc, c'est un homme qui a été flexible, qui a dit « ça ne marche pas, je recule et je voudrais maintenant rassembler tout le monde pour qu'on arrive à réaliser ce pourquoi nous avons été élus en tant que président de la République ». Moi, je voudrais saluer cette démarche-là. Maintenant, en ce qui concerne l'accord de Nairobi. L'accord de Nairobi impliquait quoi? Impliquait que si vous avez la majorité parlementaire, Kamere devenait Premier ministre. Ils n'ont pas eu la majorité parlementaire. Donc, ce n'est pas le président qui a violé l'accord de Nairobi.
c'est les résultats des élections qui ont fait que Kamer ne pouvait pas devenir Premier ministre. Maintenant, pourquoi Kamer se trouve en prison? Ils ont fait campagne devant tout le peuple congolais en disant « Nous allons apporter la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, des antivaleurs, le détournement des fonds publics. » Ils arrivent au pouvoir, M. Kamer fait le contraire de cela, commence à mettre les mains dans les caisses de l'État. Il est arrêté, jugé. Il est arrêté sur quoi? Sur ordre du ministre de la justice du FCC. On le met devant la barre. On le juge, on le trouve coupable. On le met en prison. Il est condamné. Je pense que ce n'est pas le président de la République qui a trahi M. Kamer. C'est le président M. Kamer qui a trahi le président de la République et qui a trahi les valeurs pour lesquelles ils se sont présentés aux élections où ils ont fait campagne. Donc c'est M. Kamer qui a trahi le peuple congolais, le président de la République et la Constitution. Mais Kamer disait que c'était un complot contre le président même, son arrestation. Ben, vous savez, quand vous êtes arrêté, vous pouvez utiliser n'importe quel langage, mais les juges ont entendu cet argument que Kamer avançait et ils ont conclu qu'il est coupable. Maintenant qu'il est trouvé coupable, il faut maintenant qu'il aille en appel. J'ai compris qu'il a fait appel. Je suis déçu de voir que le dossier d'appel reste en veilleuse. Il faut qu'on aille vite, qu'on arrive à conclure cette histoire-là, qu'on sache exactement s'il est acquitté au niveau de l'appel, oui, s'il n'est pas acquitté, et qu'il purge donc sa peine comme tout le monde. Il y a des édits à peine qui sont en prison donc depuis littéralement 20 ans et qui continuent à rester donc en prison. Donc il ne faut pas qu'on puisse avoir des arrangements particuliers pour certains individus parce que ce sont des partenaires du chef de l'État. Et moi, je voudrais saluer le fait que le chef de l'État semble rester en dehors de tout ça pour ne pas interférer avec la dispensation donc, de la justice. Donc, à travers ce que je viens de vous dire, vous pouvez réaliser que ce n'est pas une affaire simplement de ne pas respecter les engagements. Il arrive des moments où, quand un engagement n'est pas dans l'intérêt du pays, ou dans l'intérêt donc du peuple congolais, il faut le résilier. Et c'est ça qui est arrivé. Dès l'opportunité de ces consultations, ça va aboutir à quoi? À l'union sacrée. L'union sacrée pour satisfaire les appétits des politiciens et les peuples est oublié. Oui, il y a des problèmes au niveau du pays, au niveau de la gouvernance du pays. Il faut régler ces problèmes-là. Comment est-ce qu'on arrive à régler ces problèmes? On a estimé qu'il faudrait... qu'on arrive à réunir tout le monde au sein d'une action gouvernementale commune et de façon à répondre aux défis de développement du pays. Maintenant, le chef de l'État a choisi de faire des consultations et il va écouter tout le monde, que vous soyez leader politique, que vous soyez de confession religieuse, de la société civile. Après avoir écouté tout le monde, je pense qu'il va amener tout le monde autour de la table et en ce moment-là, il va prendre des décisions qu'il va communiquer. Attendons l'occasion d'écouter ces décisions qui seront prises par le président de la République après avoir écouté tout le monde. Mais moi, j'invite tous ceux qui ont des idées à aller à la rencontre avec le président de la République pour lui suggérer des idées. Moi, personnellement, si on m'invitait, tout le monde sait que je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchang pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je prendrai avantage de la rencontre pour lui dire... Je vous ai vu fonctionner pendant 2 ans et j'ai identifié tel genre de problèmes dans le fonctionnement du pays. Et moi, dans le cadre du plan Marshall, voici les idées que moi je propose pour que le pays puisse marcher mieux. S'il m'écoute et qu'il prend certaines de ces idées-là à mettre en œuvre, à mettre dans le cadre du programme ou de l'action gouvernementale à définir, tant mieux. S'il ne m'écoute pas et qu'il a autre chose donc qu'il aura décidé, nous allons tous applaudir. Mais pour l'instant, je souhaiterais que tout le monde lui donne l'occasion d'écouter les propositions, de choisir, de décider et de nous faire une présentation définitive des décisions qu'il va prendre. Et en ce moment-là, nous allons donc apprécier. D'aucuns pensent déjà que le président n'est pas la personne indiquée pour faire ces consultations, parce qu'il est lui-même le problème. On évoque les problèmes de légitimité. Il est jugé parti en même temps quand il consulte comme ça. Il n'y a pas de problème de légitimité. Les consultations en cours ne sont pas des consultations dans le cadre de légitimité. Il faut bien être clair. Il s'agit de consultations pour améliorer la gouvernance du pays. Ce ne sont pas des questions de légitimité. Les questions de légitimité ont été réglées par la Cour constitutionnelle. Il y a eu 21 candidats
qui se sont présentés aux élections. La CENI a proclamé des résultats. La Cour constitutionnelle a entendu les contestations et a pris une décision que c'était Félix-Antoine Tshisekedi qui a été élu président de la République. De ce point de vue-là, il n'y a plus de problème de légitimité. Le président de la République est reconnu par tous les pays africains, tous les pays du monde, par toutes les institutions. Mais les rapports de la CENCO disent le contraire. Mais la CENCO, il y a eu, après que la CENCO donc ait pris sa position, la Cour constitutionnelle donc a entendu le cas. Il faut que les gens comprennent une chose. Quand on parle dans un pays de l'état de droit, il faut que tout le monde joue par les mêmes règles. Les règles sont lesquelles? Que la CENI organise des élections. Quand il y a contestation, on va à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle décide. Et la Cour a décidé, après avoir entendu la CENCO, entendu la CENI, entendu les avocats de ceux qui contestaient. Et une fois qu'on a pris une décision, il faut que tout le monde s'incline devant cette décision-là. Donc il n'y a pas de problème de légitimité de pouvoir aujourd'hui. Il y a des problèmes de gouvernance. C'est pour cela que le chef de l'État convoque les consultations populaires pour entendre tout le monde et définir comment nous pouvons participer tous à la gestion du pays, aller de l'avant. Mais si on retourne en arrière, toujours avec les mêmes histoires, légitimité, et vous avez posé tout à l'heure la question de savoir qui a le droit de convoquer les consultations. D'après la consultation, d'après la Constitution, le président de la République a les pouvoirs constitutionnels d'être le garant du bon fonctionnement des institutions et du pays. Quand ça ne marche pas, c'est lui qui a le pouvoir de convoquer les consultations. Personne d'autre. J'aurais souhaité être, moi, Noël Tchang, président de la force du changement. Si je convoque les gens dans des concertations, vous savez quoi? Personne ne viendra donc à ma rencontre parce qu'ils savent que je n'ai pas le pouvoir. Si quelqu'un d'autre essaye de le faire, je donne l'exemple. Si aujourd'hui, une église, l'église catholique ou l'église protestante, convoque les concertations, personne ne viendra là-bas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Si un autre candidat à la présidence de la République, qui n'a pas été élu, convoque les gens à sa rencontre dans le cadre de consultations, personne ne viendra là-bas. Si Joseph Kabila, qui est le leader de l'autre camp, là, le Front commun pour le Congo, dit qu'il va organiser des consultations, personne ne viendra, donc, n'ira le voir. Donc la seule personne qui a ce pouvoir constitutionnel de convoquer des consultations, d'écouter tout le monde, de prendre des décisions qui vont s'imposer à toute la nation, c'est le président de la République. Donc nous devons reconnaître cela et le laisser faire le travail. Pensez-vous que les consultations constituent la bonne voie à suivre pour résoudre ce problème que vous dites des gouvernances? Certaines personnes ont parlé des dialogues, Martin Fayoul et les Lamouk ont parlé de plans de sortie de crise. Non, moi je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Ce que les Fayoulou et ses copains étaient en train de dire, ils parlaient des questions de légitimité. Je viens de démontrer que la question de légitimité n'est plus d'actualité. On est à 3 ans des prochaines élections présidentielles. Mais les réformes qu'ils évoquaient, j'arrive. C'était nécessaire. Vous savez, les réformes, je voudrais vous inviter à prendre connaissance du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC avant que Martin Fayoul ne parle. Moi, je proposais des réformes institutionnelles du cadre du code électoral. Je proposais des réformes de certaines institutions. Je préconisais que nous puissions supprimer le Sénat parce que je pense qu'il est budgétivore. Je proposais que les Congolais de l'extérieur soient enrôlés pour qu'ils puissent participer au choix des dirigeants du pays. Je proposais qu'il y ait un système de débat contradictoire entre candidats à l'élection présidentielle pour que les Congolais aient l'occasion d'entendre leurs candidats, leur vision, de les juger. J'ai proposé que nous puissions même envisager au niveau du choix des sénateurs et des gouverneurs de province qu'on passe du système de scrutin indirect au scrutin direct. J'ai proposé que la CENI, le choix du candidat qui doit diriger donc la CENI, que nous puissions réexaminer cela pour que celui qui est choisi soit choisi sur base des critères techniques incluant tous les citoyens donc de tout le pays, pas comme ce qu'ils ont fait avec Ronsard Malonda où ils ont exclu les candidats qui viennent du centre de la République parce que le président de la République est originaire de là. Donc j'ai proposé beaucoup de réformes institutionnelles qu'il faudrait faire. Donc si ces réformes-là vont dans le même sens que ce que Martin Fayoulou et ses copains nous proposent, tant mieux, nous sommes tous Congolais, qu'on le fasse.
mais on n'a pas besoin d'arrêter l'horloge et de dire on va d'abord le faire avant que le pays puisse commencer à fonctionner. Si nous pensons de cette façon-là, on ne va jamais avoir des élections. Donc en 2023, j'ai proposé aussi qu'on puisse faire l'identification de tous les Congolais. Nous ne savons pas combien de Congolais nous sommes sur l'étendue du territoire national. Donc je pense que ces réformes-là, nous pouvons en parler dans le cadre de ces concertations. Si Martin Fayulu a des idées qu'il faudrait proposer et qui doivent être considérées, retenues, voici un cadre qui est déjà mis sur la table. Je voudrais l'encourager à venir à la rencontre avec le président de la République en tant que frère, que nous puissions tous nous mettre autour de la table. Chacun donne ses idées, qu'on retienne les meilleures et qu'on avance. Mais si on dit qui a le droit de convoquer, le droit de convoquer est réservé au président de la République. Malheureusement, c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui a seul ce privilège-là, et tous les autres, nous sommes des spectateurs. On nous invite, on y arrive. Mais on ne peut pas prendre l'initiative d'être au centre en convoquant les autres pour qu'ils viennent à notre rencontre avec des propositions. Vous avez dit les discours du chef de l'État consacrés à la rupture. Pensez-vous qu'avec les consultations, le président de la République aura la majorité qu'il cherche? Avec les consultations, tout est possible. Moi, je vois ceci arriver. Le président de la République a un parti politique qui s'appelle l'UDPS, qui a des députés au niveau de l'Assemblée nationale, auquel il faut ajouter le député de l'UNC. L'UNC, c'était son autre partenaire dans l'OCACH, auquel il faut ajouter les autres qui viennent d'autres groupes. J'ai entendu que Bahati Lukwebo, il a beaucoup de députés qui voudraient venir s'associer avec le président de la République. Il y a d'autres personnes, même les groupes de ceux qui sont donc dans le Front commun pour le Congo. Très clairement, Pius Mabulu a cassé la baraque. Il pourrait venir avec... Il a réaffirmé dans un communiqué son appartenance au FCC. Il faut faire attention entre ce que les gens disent et ce qu'ils font de la pratique. La loyauté ne se fait pas, ne se déclenche pas avec un fusil à la tête. On amène les gens à Kinkakati, on les force à signer un papier, à dire que nous restons loyaux à l'égard donc de Joseph Kabila. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Laissez les gens libres et vous allez voir où est-ce qu'ils vont aller. Moi, je suis convaincu qu'à travers ce mécanisme-là, le président de la République aura la majorité parlementaire. Avec cette majorité parlementaire, il y aura un nouveau gouvernement au niveau de l'exécutif et avec cela, on aura un nouveau bureau de l'Assemblée nationale et on va recommencer donc à zéro. Mais si cela n'est pas le cas, le président de la République conserve toujours le pouvoir constitutionnel de dissoudre l'Assemblée nationale, de réorganiser des élections, et on va voir qui parmi les gens du FCC sera réélu encore. La plupart d'entre eux, ils vont rester dans leur village. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas donc réélus. Il y a des gens qui pensent que le pays n'a pas d'argent pour organiser des élections. Je peux prédire avec précision que s'il faut mobiliser 500 millions de dollars pour réorganiser des élections, on va mobiliser cet argent-là de la part des bailleurs de fonds. Parce que les gens sont fatigués qu'un grand pays comme la RDC soit paralysé par Joseph Kabila et ses copains qui empêchent que le pays puisse marcher correctement. Donc, la communauté internationale est disposée à mettre cet argent-là tant qu'on arrive à tenir les Joseph Kabila et tous ses copains en dehors des institutions pour que le peuple congolais puisse retrouver donc le salut. Le FCC se dit prêt à la cohabitation et il dénonce en même temps le fait que ses membres sont débauchés avec de l'argent, à l'aide de l'argent, on les propose des postes. Vous savez, le FCC doit apprendre à être très modeste parce qu'ils ont géré ce pays-là pendant 18 ans et nous connaissons les résultats. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont privatisé tout dans notre pays. Les ressources naturelles du pays appartiennent à Joseph Kabila. Kinkakati, vous connaissez ce que c'est Kinkakati. Kinkakati a l'étendue de pratiquement une province de la RDC. Ça appartient à Joseph Kabila. Il semble même que sous le sous-sol donc de Kinkakati, il y a des matières premières là-bas. Il dit que ça lui appartient. L'île de Matéba, il dit qu'il a pris ça. Vous avez vu le grand bateau qu'on a inauguré la semaine dernière donc sur le lac Tanganyika. 6000 lits, 6000 places sur le bateau. 68 salon VIP sur le bateau, tout ça, ça appartient à Joseph Kabila. Le GLM, ça appartient à Joseph Kabila. 120 concessions minières. 120 concessions minières, ça appartient à Joseph Kabila. Il y a eu des enquêtes qui étaient menées par RFI, par Le Monde, par The New York Times, par Bloomberg,
qui ont déterminé que seul Kabila et sa famille, ils ont le contrôle sur 70 entreprises qui valent des milliards de dollars. Donc l'individu de Joseph Kabila et sa famille sont plus riches que toute la République démocratique du Congo. Et ils ont des leçons à donner à qui aujourd'hui? Nous n'avons pas de leçons à recevoir donc d'eux. Si les gens ne veulent pas comprendre que nous devons travailler pour la RDC, remettre le peuple congolais dans ses droits, nous allons continuer à tourner en cercle. Mais parmi les gens du FCC, il y en a qui savent très bien que Joseph Kabila est le problème. Et ces gens-là, ils sont prêts à quitter ce bateau qui est en train de tanguer aujourd'hui pour aller vers le côté du peuple. Qu'il soit parfait ou qu'il ne soit pas parfait, aujourd'hui, le président de la République incarne ce côté du peuple-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient s'identifier avec lui plutôt que de rester avec Joseph Kabila qui appartient au passé. Quel avenir pour cette coalition aujourd'hui si jamais le président n'a pas la majorité? La coalition FCC-CACH. Oui. Je vous ai dit qu'elle est terminée. La coalition FCC-CACH est terminée. Et donc, Félix Tshisekedi dit... Si le président n'a pas la majorité, il va dissoudre l'Assemblée nationale, on va réorganiser des élections, il y aura une nouvelle majorité qui va sortir. Et je peux vous assurer que le FCC n'aura plus cette majorité-là. Vous pensez que la dissolution de l'Assemblée nationale, cette décision va rester indifférente vis-à-vis des autres, du partenaire du président de la République d'aujourd'hui, les FCC? Est-ce qu'ils vont digérer ça? Est-ce qu'il n'y aura pas des troubles dans le pays? Vous savez, nous ne pouvons pas continuer à vivre avec la peur au ventre que les gens du FCC vont faire des troubles et consorts. S'ils font des troubles, vous savez quoi? Nous sommes 5 millions de Congolais. Ces gens-là ne peuvent pas nous battre tous. Nous sommes 5 millions de Congolais. Quand il y aura donc des problèmes cette fois-ci, nous allons demander au peuple congolais de s'assumer, de se prendre en charge. Et nous savons exactement où le peuple congolais va aller. Ces gens vont finir par fuir ce pays. Nous ne voulons pas arriver à cette situation. Nous demandons que tout le monde vienne autour de la table, comme des frères et des sœurs congolais, qu'on puisse parler avec le président de la République, qu'on trouve un modus vivendi, qu'on définisse une nouvelle action gouvernementale et qu'on mette en place un nouvel exécutif. Et en ce moment-là, qu'on fasse des réformes nécessaires, les réformes auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure, là, que mon ami Martin Fayoul a mentionné aussi. Si nous faisons ces choses-là, nous allons remettre le Congo sur la bonne voie. Mais si nous continuons à intimider les autres, à dire que nous sommes des Kingakati, nous ne voulons pas partager donc nos richesses avec le reste de la population, et nous voulons tout conserver comme pouvoir, et nous voulons assurer le retour de Joseph Kabila au pouvoir donc en 2023, eh bien, nous n'allons jamais nous sortir donc de cette situation-là. Nous disons encore une fois de plus, la constitution de la RDC, elle est claire. Kabila a eu un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Il est même resté au-delà de cela, pendant plus longtemps qu'il ne devait donc rester à la tête de notre pays. Il est parti pour toujours. Il ne va plus jamais mettre ses pieds au palais de la nation comme président de la République. Il faut qu'il accepte cela et qu'il laisse les autres fonctionner. Donc, s'il continue à être un obstacle, moi, je pense que la population va se rebeller contre lui. Et il n'aura pas une place où il va se cacher sur l'ensemble de ce territoire national. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien ce qu'il est en train de faire. Il a voulu manigancer la Cour constitutionnelle. Vous savez pourquoi? Il voulait garder la main mise sur la Cour constitutionnelle pour qu'en 2023, quand il va se présenter candidat à l'élection présidentielle, cette Cour constitutionnelle acquise à sa cause puisse dire « oui, il est éligible ». Nous avons mis fin à cette Cour constitutionnelle aux ordres de Kabila. La nouvelle maintenant, cour c'est aux ordres de Félix Tshisekedi. Je dis bien que la Cour constitutionnelle, telle que nous l'avions avant, était aux ordres de Kabila. Je ne connais pas comment cette Cour constitutionnelle va fonctionner. Moi, je connais quelques éléments parmi ceux qu'on a nommés. Ce sont des professionnels de premier niveau. Nous demandons qu'ils puissent lire le droit en toute indépendance, en toute objectivité. Nous ne voulons pas une Cour constitutionnelle contrôlée par Kabila ou une Cour constitutionnelle contrôlée par Félix Tshisekedi. Nous voulons une Cour constitutionnelle qui rende la justice au peuple congolais. Et je pense que les nouveaux juges, combinés avec ceux qu'ils ont trouvés, vont nous donner cette Cour constitutionnelle différente de cette chambre d'enregistrement qu'on avait avant, qui faisait tout en faveur de Joseph Kabila. Donc, si nous arrivons à laisser cette institution fonctionner normalement, je pense que les élections en 2023 pourraient être différente de celle que nous avons connue en 2018. Mais pour le faire, on a des préalables à faire. Qu'on réforme la CENI, qu'on dise toutes les réformes que j'ai mentionnées tout à l'heure, là qu'on les fasse, et en ce moment-là, qu'on mette l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, qu'on laisse le pays fonctionner. Nous sommes fatigués d'être le plus grand pays en Afrique aujourd'hui, avec tout plein de ressources naturelles, mais d'avoir la population clochardisée. Pourquoi? Parce que
Nous avons des leaders politiques qui veulent tout pour eux, qui ne veulent jamais quitter le pouvoir et qui veulent rester là-bas indéfiniment. Qui vivra verra. Question d'actualité, Mini Mbwe, vous avez suivi, je crois, les menaces de Moïse Nyarugabo à l'endroit du député qui avait interpellé les ministres de la décentralisation. Il dit qu'ils offrent la paix, sinon ça sera les bains du sang. Vous savez quoi? Nous sommes 100 millions de Congolais. Ces gens-là ne peuvent pas nous intimider. Ils sont venus dans notre pays comme des réfugiés. On a eu, pour l'amour de Dieu, accepté de leur donner la nationalité pour qu'ils puissent vivre chez nous calmement. Mais ils ne peuvent pas, d'un côté, avoir la nationalité et commencer à prendre nos terres. Et non seulement prendre nos terres et commencer à nous menacer, et nous menacer donc nos députés nationaux. Moïndo Zangi, c'est un fils digne de la République démocratique du Congo. Il a fait son travail en tant que député national. Je veux que tout le monde puisse lui exprimer sa gratitude pour le travail qu'il a fait dans l'interpellation à l'égard de ce monsieur-là qui présentait des conflits d'intérêts énormes au niveau de notre pays. Imaginez toutes les nationalités du monde, les Libanais, les Pakistanais, les Nigériens et consorts qui viennent dans notre pays. S'ils viennent et ils se disent, on leur donne la nationalité, mais il faut qu'on leur donne un morceau de terre, qu'est-ce qui va rester pour les Congolais? Donc, le langage tenu par Moïse Nyarugabo est tout à fait condamnable. Nous voulons d'ailleurs que la justice s'occupe donc de ce cas-là, se saisisse de ce dossier, parce que nous ne pouvons pas être intimidés dans notre propre pays. Et ces gens-là, nous les connaissons, nous savons comment ils sont arrivés donc à RDC. S'ils pensent que nous sommes naïfs, le peuple congolais a ouvert les yeux. Aujourd'hui, on ne va plus encore avoir un président de la République qui joue le jeu du Rwanda ou de ces pays étrangers-là. Nous voulons travailler pour le peuple congolais et Moïse Nyarugabo doit se taire. Il doit se taire et nous demandons à la justice de pouvoir s'occuper de cela. Et en plus de cela, nous demandons aux députés nationaux, après avoir entendu Moïndo Nzangi dans cette interpellation, nous voulons qu'elle puisse prendre, que l'Assemblée nationale prenne des décisions exemplaires pour que Azarias Rubero sorte du gouvernement. Mais si on ne prend pas ces décisions au niveau de l'Assemblée nationale, nous demandons maintenant au président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement du pays et de l'intégrité territoriale de la RDC, de refaire le gouvernement après ces consultations nationales. Nous ne voulons plus voir Moïse Nyarugabo ou bien Azarias Rubero dans ce gouvernement-là. Le Congo a 450 ethnies ou tribus. Nous ne pouvons pas réserver des postes ministériels à une petite minorité pour toujours. Azarias Rubero est là depuis plus de 20 ans. Azarias Rubero évoque toujours déjà une discrimination de la minorité. Quelle discrimination? C'est lui qui prône la discrimination. Nous avons 450 ethnies, on va réserver un poste à lui simplement et tous les autres alors. Donc ils veulent des faveurs, le favoritisme à l'égard de son petit groupe au détriment donc de tout le reste. Je pense que son temps dans le gouvernement suffit. Il est temps aujourd'hui qu'on puisse faire autre chose. Et d'ailleurs, s'il pense qu'il faut que les minorités aient toujours des postes, je vais proposer une promotion pour lui, qu'on puisse le promouvoir ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Rwanda. Noël Tiani, moi, bienvite, candidat, ancien candidat président de la République. Vous êtes aussi économiste, vous avez travaillé dans des organisations internationales. Qu'est-ce qu'il faut à la RDC pour qu'elle soit relancée économiquement? Ce qu'il faut pour notre pays, et c'est dans ce cadre-là que j'avais rédigé le plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je me suis dit, nous sommes un grand pays, un pays continent. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec nous aujourd'hui et qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions devenir un pays émergent? Grosso modo, il faut qu'on ait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, à commencer par les chefs d'État, qu'on ait des chefs d'État de qualité. Ils vont travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Deux, nous devons investir dans les ressources humaines congolaises. Nous avons besoin d'une population congolaise bien éduquée, bien nourrie, bien entretenue. Et en ce moment, cette population pourra travailler pour développer la RDC. C'est pour cela que je mets l'accent sur l'éducation, la santé, mais également l'autosuffisance alimentaire. On va développer l'autosuffisance alimentaire en investissant massivement, en mécanisant l'agriculture, l'élevage et la pêche. Nous allons produire localement tout ce dont on a besoin pour notre consommation. Moi, je suis en train de faire quelque chose d'assez particulier. Je viens d'acheter
100 hectares de terre au plateau de Bateke. Je vais ajouter donc d'autres hectares de terre progressivement. Je vais développer l'agriculture pour que nous puissions produire localement ce que nous pouvons consommer. Si chacun de nous fait la même chose, je pense que ce pays ne va plus importer une seule quantité de nourriture de l'extérieur. Nous pourrons même exporter vers l'extérieur. Trois, nous devons investir dans ce que j'appelle la sécurité. Nous devons rétablir un climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Mettre fin aux velléités de rébellion et consorts. Et ceux qui nous menacent, nous devons appliquer des mesures strictes pour que ces gens soient mis hors d'état donc de nuire. Pour cela, nous devons réformer l'armée, la police, les services de sécurité. Quatre, nous devons investir dans ce que j'appelle la gouvernance, la mise en place d'un système de bonne gouvernance en combattant la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics pour que toutes les ressources publiques aillent dans le budget national. On aura un gros budget qu'on va repartir dans des programmes différents du développement du pays et en ce moment-là, on pourra réaliser les objectifs de développement que nous nous sommes fixés. Cinq, nous devons investir dans ce que j'appelle les infrastructures de base. Le Congo n'a pas d'infrastructure, pas d'aéroport moderne. Nous devons construire des routes, des aéroports modernes, 4 à 5 aéroports internationaux, des routes qui relient toutes les provinces du pays, les autoroutes, les chemins de fer. Nous devons mettre de l'eau, de l'électricité, des services de télécommunications partout. Construire donc des nouveaux villages modernes, des villes modernes, en utilisant des nouveaux schémas d'urbanisation. Et six, nous devons industrialiser notre pays. Nous avons tout plein de ressources naturelles, mais nous ne devons pas continuer à fonctionner comme avant la période coloniale. Prenons les matières premières que nous avons, développons-le, transformons ces matières premières en produits finis, produits semi-finis, pour que nous puissions créer des emplois pour tout le peuple congolais. Nous devons investir donc dans le tourisme parce que ça présente un potentiel sur le plan du développement pour la création d'emplois pour tout le peuple congolais. Mais n'oublions pas le secteur financier. Nous devons réformer la Banque centrale pour qu'elle joue son véritable rôle d'autorité monétaire, qu'on mette fin à la dollarisation en réformant la monnaie congolaise pour qu'on ait la seule monnaie qui soit utilisable sur l'étendue du territoire national, qui soit le franc congolais. Et en ce moment-là, nous allons aussi réformer le secteur financier, qu'on ait des banques congolaises, des institutions congolaises dans lesquelles les Congolais ont un mot à dire, non pas simplement comme étant des petits employés, mais également comme étant des actionnaires. Qu'on mette en place maintenant des institutions qui manquent dans notre système financier. Qu'on mette en place une banque pour le financement des grands projets de développement. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement de la RDC qui va mobiliser de gros moyens, de grosses ressources qu'on va utiliser pour construire les routes, les autoroutes, les chemins de fer et consorts. Qu'on mette en place une institution d'assurance des dépôts bancaires pour sécuriser les dépôts des Congolais dans le secteur bancaire. Qu'on mette en place une bourse des valeurs mobilières pour que les Congolais qui veulent acheter des actions dans les banques, dans les entreprises, passent par la bourse. Qu'on mette en place des banques telles que de financement de l'agriculture, de financement de l'habitat, pour permettre aux Congolais d'acheter des maisons en utilisant donc des crédits bancaires. Si nous faisons toutes ces réformes-là, nous allons développer la RDC au profit de tous. C'est ça que moi j'ai proposé dans le cadre du plan Marshall et c'est ça que je vais essayer aussi donc de vendre au niveau donc du chef de l'État lors des consultations, si j'arrive donc à le rencontrer. Parce que je suis convaincu que si nous le faisons, le Congo va changer d'un pays sous-développé, pauvre, très endetté, pour qu'on devienne donc un pays émergent qui crée des opportunités pour tout le peuple congolais. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Noël Tiani Mwadianvite a été notre invité, ancien candidat président de la République, économiste. Un dernier mot, un message à adresser à tous les Congolais qui vont nous suivre à travers le monde. J'ai deux ou trois messages. Le premier message, d'abord, je voudrais encore une fois de plus souhaiter rapide guérison, rétablissement à notre frère Fabien Kouswanika. Je souhaite vraiment vivement qu'il se remette debout le plus rapidement possible parce que nous avons besoin de lui. Deux, je voudrais qu'on puisse saisir l'opportunité en tant que peuple congolais de regarder dans la même direction. Et le chef de l'État nous donne cette opportunité-là aujourd'hui de participer aux consultations populaires. Et je voudrais inviter tout le monde. Leaders politiques, quelles que soient les tendances, les confessions religieuses, la société civile, si vous êtes invité à rencontrer le chef de l'État, allez-y s'il vous plaît. Et s'il ne vous a pas invité, exprimez-vous en disant vous voulez être reçu, qu'il puisse vous recevoir dans le cadre des concertations. Comme ça, vous venez avec des propositions concrètes de ce que nous pouvons faire ensemble en tant que pays pour développer la RDC au profit de tous. Trois, je veux que nous puissions combattre une valeur, une antivaleur,
qui crée le désordre donc au sein de la communauté congolaise, c'est le tribalisme. Le tribalisme n'est pas du tout acceptable. Ça aboutit à la sous-utilisation des ressources humaines, ça crée du favoritisme, des frustrations au sein de la population congolaise. Nous sommes tous les mêmes. Que vous soyez du Kasaï, du Bandundu, du Bakongo, du Katanga, de la province orientale, de Kivu, nous sommes de Kinshasa, nous sommes tous les mêmes. Donc mettons de côté ces antivaleurs de tribalisme, de favoritisme. Si nous alignons les gens en utilisant la méritocratie, je suis convaincu que ce pays peut se développer au profit de tout le monde. Nous avons tellement du travail à faire que si nous nous mettons au travail, vous allez trouver qu'on n'aura même plus personne dehors là qu'on doit chercher à recruter parce que tout le monde sera occupé à travailler. On va même importer les gens qui viennent des pays voisins pour venir travailler donc chez nous. Donc, combattons ces antivaleurs-là. Et enfin, je voudrais que nous puissions souligner le système de bonne gouvernance. Nous devons avoir zéro tolérance pour les antivaleurs telles que la corruption, la prédation des ressources naturelles, détournement des fonds publics. Si nous faisons ces choses-là, nous allons réussir en tant que pays. Pourquoi ? Parce que moi, je suis convaincu que l'impossible n'est pas congolais. Nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier.